on ne parle plus de Jovenel. Pas qu'il y a fait Jovenel qui existait. Il n'y a pas de leader qui parle de Jovenel Moïse. Il n'y a pas de discours qui parlait de Jovenel Moïse. Pas rien qui parlait de Jovenel Moïse. Du tout, du tout. Donc Jovenel est mort. Jovenel, c'est déjà le passé. Le présent, aujourd'hui, c'est Ariel. Le présent, aujourd'hui, c'est foot. Le présent, aujourd'hui, c'est c'est Lambert. Le présent, aujourd'hui, c'est Magali Komodoni. Le présent, aujourd'hui, c'est André Michel. Jovenel, c'est le passé. Mais vous remarquez, dans ce présent, il n'y a pas de Michel Martelly. Dans ce présent, il n'y a pas de Luberus, sinon c'est dans la tweet. Dans ce présent, il n'y a pas de personnalité politique liée à Jovenel et au PSTK qui occupe, nous avons dit, sphère politique là. Vous me posez peut-être ma question, que ça passait. Il y a une prise de pouvoir détournée. Sans nous rendre compte, il y a pris pouvoir. Et non mais PHTK, et non mais Jovenel. Ils prennent pouvoir. Mais pouvoir pour qu'on ait maître, même si ils prennent. Pouvoir politique pour qu'on ait maître. Mais c'est le seul maître à bord. Aujourd'hui, c'est Ariel. Maintenant, il faut éliminer Ariel à tout prix. Dans ce, en ce sens-là, qu'est-ce qui a été fait? Une plainte a été déposée contre Ariel. Au parquet du Port-au-Prince. Par le RNDDH. Une deuxième plainte. Il y a une deuxième plainte là. Contre. Il y a dit, suivez-moi, mais il faut que l'on joue une justice. Ennemi Jovenel, qui se vive à Haïti. Bureau DJ avec Wani Timothée, qui sont les ennemis jurés de Jovenel Moïse. N'est-ce pas utilisé un subterfuge politique? Yon poton plainte contre Ariel Henry et puis yon dit yon besoin de justice pour Jovenel. Donc, ils ont porté plainte par devant le commissaire du gouvernement. Ce commissaire du gouvernement qui a été nommé par Jovenel, il est obligé de recevoir et de Jovenel justice. Mais ce sont les ennemis politiques de Jovenel qui portait bagaille là, allez, donc, faut, ou, commissaire du gouvernement, pas capable de recevoir. Maintenant, le commissaire du gouvernement, monsieur Christian, nous fait droit. Monsieur prend dossier, monsieur gagne trois comportements pour le gagner. Un, monsieur nous a fait, nous deux fait droit, même pas traité dans le droit net, dans la science politique d'Aïdak. Soit le classé dossier. Sans suite. Soit. Les déclenchions en procédure. Les transférer dans le cabinet d'instruction. Les transférer dans le cabinet d'instruction. Ou au troisième encore, monsieur lui-même. Invité Ariel. Donc, le commissaire du gouvernement est aujourd'hui en présence d'une nouvelle situation. Côté monsieur Abchaché. Pour agir sous dossier. Mais, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'affaiblir Ariel en utilisant des mécanismes juridiques contre Ariel et pour mettre le commissaire gouvernement en difficulté. Et parmi les trois possibilités, il y a une d'entre elles qui est un peu très difficile. Laquelle? Classé sans suite, là, c'est lui-même qui a mis le commissaire là. Peut-être Marconnet. Non. En situation difficile. Au contraire, au contraire. C'est toi pour non, non, non. L'idée est possible. Non, non, l'idée est possible. Et bien, l'idée est possible. Il faut interpréter ou l'autre gens. Commissaire du gouvernement, vient de nos outils de pression. Amen. Ouais. Les outils de pression. Amen. Côté Koundia là, l'idée est garder le Premier ministre là, en face. Parce que le Premier ministre Koundia, s'il révoquait monsieur, pas oublié, non? Gemoun Gabdi, c'est de manière illégale. Gemoun Gabdi, c'est une révocation politique. Donc, plein de potes, ils mettaient
commissaire gouvernement en difficulté, yo mettez Ariel en difficulté. Yo pas forcer Ariel faire alliance à commissaire gouvernement. Son bail comme si son bail extraordinaire m'a réfléchi sur lui et va à ce qu'on prenne. Alors, par contre, je peux mettre. Mais... Oh, si ma mère tout, mettre. On allait. Et pour moi-même, en fait, plein de qui à me mettre Ariel Henry en difficulté. Et pourquoi? Parce que justement, la fonction est protégée. Par quoi? La fonction. La fonction du premier ministre est protégée. Dans. Parce que, mais ça qui passe. Non, non, dans. Dans une situation. Dans une situation démocratique. Dans Mexico, Gary. Dans une situation normale, dans une situation démocratique. Supposons, supposons que le commissaire du gouvernement décide d'éviter Ariel. Ou bien de transférer le dossier par devant le juge d'instruction. Il doit protéger un palier, mais ça va mettre à mal Ariel 1. Deuxièmement, ça va faciliter le déclenchement d'une certaine hostilité politique, de la classe politique par rapport à Ariel. Donc, c'est pas que Ariel n'est pas protégé, donc. Protégé par qui ça? Même président protégé. Mais la protection de Kedler. Il peut pas l'évoquer. La protection de Kedler qui a l'immunité. Même M. Vinci, pas que l'on a fait Kedler là, pendant l'immunité là. Il n'y a pas qu'à faire l'un, mais ou regardez pour eux, ça qui rivait dans l'opinion, c'est comme si il est sans protection. Tu vois, mais, il va se dire. Moi, je vais dire. Aroma qui m'a dit Ariel, comme citoyen, comme individu à protéger. Je dis que la fonction qu'il occupe assure sa protection. Parce que justement, Gary, c'est vrai que nous avons une situation d'exception. Côté que ou pas de possibilité pour évoquer des textes, que ce soit des textes constitutionnels, que ce soit des textes légaux. Mais Ariel Henry, la fonction est protégée au nom de l'intérêt général. Parce que jusqu'à présent, le PIM qui gagne comment le pays en amène, l'IGL au nom de l'intérêt général, la passure et la continuité de l'État. C'est vrai que moi, je suis d'accord que nous sommes dans une situation d'exception, ou en situation explosive, inquiétante. Mais maintenant, pendant que l'occupé fonctionne, pendant que l'ILA pour assurer la continuité de l'État, un commissaire du gouvernement n'a pas qu'à décider, réel. Maintenant, moi, je suis d'accord avec l'aspect, quand par exemple, vous dites que. Opinion. Il faut chercher ruiner monsieur. Non, d'accord sur ça. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord sur ça. Mais sur le plan légal, Gary. Sur le plan légal, à ma compréhension des choses, je crois que le commissaire du gouvernement a une pression. Il a fait ça. Attendez bien. Ouais, ça me dit. Il y a le plan légal, il y a le plan politique. Mais soit admettre, soit possibilité. Sur le plan, non, d'accord, Gary. Sur le plan légal, strictement légal, pas un lien. Commissaire du gouvernement qui a fait Ariel. Pas gagné en termes de pression le cabaye. Mais ça veut dire soit vous le les monsieur, pas capable. Bon, il n'est pas capable. Bonjour. Qui est ça, commissaire gouvernement? C'est ça que fait. Je suis en train d'analyser le côté ou l'aspect caché de cette plainte de Vive Haïti. Ouais. Et d'un papa là, on est Timothée. La première démarche. Affaire par le commissaire du gouvernement. Le commissaire va écrire à Natcom et à Tichel pour regarder où le téléphonique, monsieur. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Quand ils sont pas très dangereux, qu'a passé là. On a rien. Et puis Natcom, il y a deux possibilités. Ablier, non, il y a deux possibilités. Parce que le commissaire gouvernement a droit. Ok. Deux possibilités. On prend la première possibilité. Tchap, yo, ouais. Monsieur parlé avec Badjo. Avant, pendant et après. Et après. Le commissaire du gouvernement dans sa fonction. Dans un pays aujourd'hui. Côté la loi a existé. Côté la force. Est dirigé par la politique. La force, on avait dit, comparé avec la politique. Et puis, le commissaire argumente
et invite le Premier ministre sous base de l'information que le gagne, il dit Premier ministre, vienne parler avec moi. Vienne dire ça qui passe. Parce que il dit yo moins wa t'a parlé. Cette information pral font scandale, pral font boum. Exact. La classe politique de son ensemble et nous autres de la presse, nous autres, nous allons demander, ou qui n'a pas demandé nous-mêmes, au Premier ministre Ariel Henry de démissionner et de se mettre à disposition de la justice pour lui capable d'expliquer celui qui a été identifié comme étant l'assassin du président et puis et où tu as parlé avec avant, pendant. Et après. Gai, vous avez descendu. Mais d'accord. Moi, alors, moi, avant entrer Val. Moi, d'accord. Non, même Lina, avant entrer Val. Donc, c'est, écoute, c'est toute la finesse de ce dossier. Parce que c'est là, oui, sans intérêt, on va regarder. Pour être beaucoup fini, non? Ouais. Sans intérêt, on va regarder. Dans le deuxième cas. Dans le deuxième. Vous regardez, commissaire gouvernement, pas joué rien. Ok? Suis-moi bien. Il va jouer rien. Il sort son communiqué pour dire suite à Paris, ça n'a pas été porté. Il va jouer rien. Classé. Puis l'espérance pour vous. Puis est fini. M'a demandé, nous-mêmes, la presse, la casse politique a demandé pour bien quitter la NDDH. C'est pas si mal, non? Qu'a passé là? Faut nous prendre la dimension. Parce qu'il s'agit de la mort du président de la République. Qu'on y a troisième balle qui va arriver. Ça peut même nous dire avec Badiou. Dans l'historique de son téléphone. Faut regarder pour elle depuis combien de temps avec elle. Si monsieur est lié à tout leader politique de Badiou, monsieur est dans une pratique pour parler dans le téléphone avec tout le monde, y compris Paul Denis et l'autre. Donc, si ma précaution, moi fais un bagay qui passe ça. Et puis yo ouais, m'a parlé avec Val, Campagne, Marco. M'a parlé avec Nixon. Bon, moi me dis, bah, si je ne parle pas avec nous tout le temps, si je ne parle pas avec nous tout le temps, jour ou événement privé, nous dans tête, on continue à parler avec nous. Faut me connaître qui ça, moi étape dit. Donc, son situation extrêmement grave, une situation politique qui est capable de permettre à certains monde d'exploiter plainte qui porte, est vraiment le commissaire du gouvernement aujourd'hui, c'est un monde qui est capable d'éclater la République. Dans l'action la posée, il peut faciliter un dénouement, un dénouement. Qui a un niveau côté acceptable, monsieur capable tout, entamons procédure, côté pays à genoux, et que vous avez relancé le débat autour de l'assassinat de Jovenel là, sans que moi-même ne puisse évoquer l'acte saint de l'assassinat. Okay. Donc, ça me dit tout à l'heure, je vais c'est que je pense dans plusieurs phases que vous avancez là-haut. Ou prend angle politique là, va te parler de aspect légal là. Mais gain de action que l'a posé cap légal. Jean Rousseau dit JPPC fait demande auprès de NAT comme Digicel son action qui légale. Mandé ou lever téléphoniquement son action qui légale. L'elfin joigne. Imaginez. Li pat a dit que yo pat a parlé. Yo joigne que yo t'a parlé pendant un nombre de temps, même yo conférence de presse que commissaire la cabaye a payé pour le dire que n'a comme Digicel yo joigne premier ministre t'a parlé avec Badjo 72 fois par exemple. Et puis il t'a prend dossier ça, il voye ba un juge d'instruction. S'il classe sans suite, grand pile moun k'ap tout dit que ah Jovenel pas besoin de justice vrai monsieur parce que premier ministre t'a dit Badjo c'est 1000 mais nèg yo font gens yo dit yo pas joindre t'a parlé dans téléphone. Et s'il voyait bay un juge d'instruction qui lui-même d'ailleurs font pas faire illusion, yo juge d'instruction
ou est depuis ses sous base li gen des faits nan men li capable rele n'importe qui moun poser le question juge d'instruction si commissaire là comme chef de la poursuite mandé relevé téléphonique li joine relevé téléphonique li voyer dossier en bas au juge d'instruction pour mener enquête. Juge d'instruction qui attendait PM Ariel Henry. Bon, monsieur, attendez-nous. Attendez-nous, oui, non, pas, allez, attendez-nous. Fuck. Ariel, t'a connu que Badiou n'a pas participé à la président. S'il pas connu, il a toujours pas la velle, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que t'a connu complot à fait? Oui, s'il pas connu, il a toujours pas la velle. L'appel est important, c'est vrai. Mais ça qui est plus important, c'est qui ça y a tapdi. Exactement. Hein? Qui ça yo tap di? Bon, goun l'autre aspect encore, excusez-moi pour m'évoquer dans même ça. Ariel Poko, premier ministre, puisque vous votre commun salil. Ok? Vous votre commun salil. Donc, dans toute information, yo dit bagay ça, son bagay qui a préparé depuis longtemps. Donc, et si Ariel te parle avec moi? Et si Claude te parle, t'es un ami Badiol de? Bon, et si Jovenel te gen rapport avec Badjo lui-même, oui. Sous téléphone Jovenel, te wè que te parlé avec Badjo. Donc, voilà, c'est ça, bien. Les numéros de téléphone ou bien les appels reçus ou bien les échanges, ils ont importance, c'est vrai, mais l'essentiel, il disait quoi? Il échangeait sur quoi? Vous comprenez? Mm-hmm. Donc, c'est des bagages extrêmement sensibles et ça mettait tout pour dire commissaire gouvernement, pas gen droit agir de manière trop active. Folie calculée parce que là, capable de piège politique, et faut comme si le gouvernement connaît, toute destitution ou d'élimination d'Ariel entraînerait automatiquement la mise à pied du président parce que depuis du gouvernement, depuis le régime monté là, on trouve un commissaire gouvernement aller. Alors, le commissaire du gouvernement est accusé. Parce que le Québec militant politique, non, vous comprenez? Alors, il est soutenu. Je pense que c'est monsieur soutenu quelque part. Parce que l'autorité de révocation, là, c'est le ministre de la Justice. Oui, c'est le ministre de la Justice. Maintenant, je pense que dans le cas commissaire gouvernement, maintenant, si on clash entre PM Ariel Henry et le ministre de la Justice, et qui apparemment, selon Sanap Vive, dans le dernier temps, on a embrassé le dossier dans la question de justice pour le président Jovenel Moïse. Nous, c'est le ministre de justice qui a posé un ensemble d'actions. Moi, penser sur le plan politique, si il y a un clash dans le gouvernement entre un ensemble de ministres et PM Ariel Henry, là, le dossier a tout résoudre dans le sens que mettez PM Ariel Henry devant un fait accompli. Un bayval. Démarche la plus politique que juridique. Démarche nègre à faire. Ouais, exactement. Le plus politique que juridique. Parce que nègre, ça n'a pas besoin de justice vraie pour Jovenel. Vous comprenez? Il y a une justice vraie pour Jovenel. Ouais, monsieur qui déposait. Oui, il n'y a pas besoin de justice vraie. Il y a besoin de plus accuser Ariel. Sans raison en plus, sans dire là, puisque la démarche est éminemment politique, sans raison en plus, qui fait que justement, dans le contexte que ni Lagari, commissaire du gouvernement n'est pas capable de faire le premier ministre Ariel Pression. Il n'est pas capable. Parce que, bon, bagaille qui est fondamental pour que nous souligner. Et le dossier relatif à l'assassinat du président Jovenel Moïse, ou de l'ancien président Jovenel Moïse, est déjà transféré en fait au cabinet d'instruction. Dossier a déjà transféré au cabinet d'instruction. Donc, transfert dossier au cabinet d'instruction traduit clairement que le commissaire n'a pas gagné. Donc, présentement, pendant le dossier, parce que la juridiction d'instruction, c'est une juridiction autonome. Plainte qui déposée devant le cabinet, et moi-même d'accord avec. Ancien député Alfredo Antoine, qui m'a profité de saluer, capitaine. Le commissaire va gagner l'autre bagaille pour le faire transférer le dossier devant dans le cabinet d'instruction. Plein de choses là. Parce que le dossier, ça, il est envoyé le côté pour le voir et puis il instruit. Ça, c'est le premier bagaille. Deuxième bagaille, on a une situation côté que la politique tient en état de droit. Si
si commissaire du gouvernement pas qu'on est ta gon loi dans tête li qui monte il côté le tag intention comme si c'est pression pas qu'on est qui forme da en fait de manœuvre de stratégie pour utiliser il y a révoqué l'automatique puisque chef hiérarchique commissaire du gouvernement moun ki gen contrôle commissaire du gouvernement c'est un membre du gouvernement le ministre de la justice qui gen pour chef hiérarchique li le premier ministre donc ça veut dire commissaire du gouvernement monsieur son petit bébé li là li pa gen moyen n'ta ka di pa gen aucun moyen légal nan men pour le persécuter au contraire faut le bien jouer s'il pas bien joué à mettre la terre. Alors, si vous pouvez mettre Val, dans la mesure où il y a une harmonie entre supérieur hiérarchique, commissaire gouvernement et le premier ministre, parce que je vais dire bien Val, sur le plan politique, si le premier ministre en harmonie avec ministre, ministre de la justice, ministre de la justice qui a évoqué le commissaire, dans la mesure où pas une harmonie entre eux, c'est où après que commissaire en cap font action comme c'est pour ces ministres de la justice qui capable révoquer lui qui doit pas révoquer parce que là ça connait on va pas on imagine que si premier ministre Ariel besoin révoquer ministre de la justice ministre de la justice lui même pas d'accord comme si il y a un échange entre eux maintenant connait ou connait ou comprendre que ministre de la justice va sauter commissaire facilement non ça dépend dans ça dépend dans la législation haïtienne. L'autorité de nomination et de révocation est le premier ministre. Le ministre n'est pas l'autorité de nomination. Elle n'est pas non plus. Il n'est pas non plus l'autorité de révocation. C'est le premier ministre. Dans la législation, il s'est dit ça, oui. Vous savez dire, je dis à commissaire du gouvernement, encore une fois, ma broudille, il s'est déjà dessaisi le dossier. Automatiquement, que le dossier arrive dans le cabinet d'instruction, il n'y a pas rien à voir à dossier. Sauf si, ça arrive, oui, il y a un bagage. Si, par exemple, au cours de l'instruction, puisque, moi, je dis encore, la juridiction d'instruction est autonome. Et il y a des juristes qui avancent pour dire que, l'IPAP travaille pour le parquet pendant la cour d'instruction, même si il y a l'autre courant qui pensait que donc cabinet d'instruction travaille pour le parquet parce qu'il y a plusieurs écoles sous ça. Maintenant, ça arrive là en seul cas, ça arrive.